J'ai toujours beaucoup de mal à quitter mes parents. Ils vivent à Karang, un village népalais situé à 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Là-bas, la vie est très dure. Mes parents n'avaient pas les moyens d'élever tous leurs enfants. Alors nous avons été séparés, mes sœurs et moi. Dorje, l'aînée, a été adoptée par des Américains. Et Sumchog, par des Néerlandais. Moi, Pema, j'ai grandi dans un orphelinat de Katmandou. Tout comme mes deux plus jeunes sœurs, Dolma et Tsering. Seule ma sœur Yonzom est restée avec mes parents. À 18 ans, j'ai rejoint ma sœur Sumchog aux Pays-Bas, où j'ai commencé des études de tourisme. Je suis toujours en contact avec mes parents. Comme ils sentent leur vieux jour arriver, ils veulent que je rentre au pays, que j'épouse une fille du village et que je prenne soin d'eux. Allô ? Maman, ça va ? Pas trop. J'ai dû aller à l'hôpital plusieurs fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, j'avais mal partout. Je suis allée à la clinique de Chechen. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as, maman ? Dis-moi. J'ai quelque chose au cœur. Maman, je... Les médecins ont dit que c'était à cause de ton entêtement. Il faudrait que tu te décides à te marier. C'est difficile pour nous ici. Arrête de me parler de mariage. Prends plutôt soin de ta santé. Tu dis que tu as de la peine parce que je ne t'écoute pas, mais toi, tu me stresses à toujours me remettre cette histoire de mariage sur le tapis. Vous devriez tous revenir au village. Toi, tu as de la chance, tu es à l'étranger. Mais je me fais du souci pour tes sœurs. Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, il m'est impossible d'échapper à ma mère. Je dois retourner à Karang pour trouver une solution. Sumchog a décidé de m'accompagner. Nos petites sœurs Dolma et Tsering seront aussi du voyage. Elles nous attendent à Katmandou. Ça va ? Oui, ça va bien. Ça va ? Oui, bien. Voici l'orphelinat où nous avons grandi, Dolma, Tsering et moi. Je me sens chez moi, ici. Bienvenue ! Tout va bien ? Oui. Tu es arrivé quand ? Aujourd'hui. Tu as changé, Pema. Tu es sûr que ça va ? Tu as maigri, dis donc. Namasté. Namasté. Bienvenue. Ça va ? Bien, et vous ? Très bien. Vous avez l'air en forme. J'ai un petit cadeau pour vous, mademoiselle Rada. Merci. Pemba ! Dis, comment ça va, toi ? Bien. Je vous présente ma sœur. Allô, papa ? On est bien arrivé. Je suis avec Sumchog. Quoi ? Vous serez là dans combien de temps ? Je ne sais pas. J'essaierai de t'appeler quand on sera à Tarap. Sumchog aura besoin d'aide. Je viendrai vous chercher. Ne t'inquiète pas pour nous. On prendra un guide pour venir jusqu'à Karang. C'est dur. Karang se situe dans le haut d'Olpo,
une enclave de culture tibétaine dans le nord-ouest du Népal. Le village est à un mois de marche de Katmandou. Pour l'atteindre, il faut passer de nombreux cols de montagne. À l'époque où mon père m'a emmené à l'orphelinat, il a dû faire tout le trajet à pied en me portant sur son dos. Avec mes sœurs, nous avons pris deux petits avions depuis Katmandou pour n'avoir que 10 jours de marche à faire. Nous effectuons ce trek comme des touristes, avec un guide, des sherpas et des mules pour porter les tentes. Après quelques jours de marche, nous faisons une pause pour nous habituer à l'altitude. Nous devons encore passer un col situé à plus de 5000 mètres. Sumchog ne parle pas népalais. Elle a du mal à communiquer avec nos petites sœurs. Je dois parler anglais avec Sumchog, népalais avec Dolma et Tsering, et tibétain avec mes parents et ma sœur Yonzom. Tu veux de l'eau chaude ? Quoi ? Tourne-toi. Tu peux lui verser de l'eau chaude dessus pour qu'elle n'ait pas froid. Ok. Vous avez du savon ? Il me faut plus d'eau chaude. Il ne nous reste plus que 3 jours de marche. Dolma et Tsering sont toutes excitées. Elles ont hâte de revoir nos parents et notre sœur Yonzom. C'est la première fois que Sumchog retourne dans notre village natal. Elle n'a pas revu nos parents depuis des années. Moi, j'appréhende ses retrouvailles. C'est papa ? On dirait bien. Je reconnais sa démarche. Papa ! Bonjour ! C'est papa. Papa est le seul mot qu'elle connaît. Bonjour. Bonjour. Descends du cheval. Dolma, descends du cheval. Ok. Tu me le tiens ? Mets un pied ici. Ok. Attends. Elle veut descendre. Je t'avais dit de pas venir nous chercher. Je me faisais du souci pour elle. Pourquoi ? Elle sait marcher. Je t'avais dit qu'on serait avec un groupe. Tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. Contente de te voir. Elle est contente de te voir. Notre grande sœur a combien d'enfants ? 3. Elle est au village avec son mari ? Non, son mari est en Chine. Mon père est guérisseur traditionnel tibétain. Il parcourt de longues distances à pied dans la région. Ma mère est donc souvent seule pour s'occuper des terres de la famille. Karang n'est plus qu'à quelques heures de marche. J'aimerais être aussi impatient que mes sœurs.
J'essaye de ne pas penser à la raison de ma visite, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir affronter mes parents. On arrive à Karang. Regardez comme c'est beau. Je ne vois pas la maison. Où est notre village et notre maison? Où est votre maison? Elle est derrière cette colline. Elles se ressemblent toutes. On arrive à Karang. Pema, j'aimerais mettre ma tchouba. Ça ferait plaisir à maman. Vu comme tu es sale, tu es obligée de te changer. Elle pourra l'enfiler à la maison. Non, sinon ce sera plus une surprise pour maman. Musique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. 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 Hé, hey, petit. Dis-leur de conduire les chevaux là-bas, vers le monastère. Hold at both sides and... Avance. Je ne peux pas aller plus vite. Assieds-toi à côté de Sumchog. Donne un gobelet à tout le monde. Et à lui, donne-lui une tasse. Je reconnais ça. On est de retour. Donne une sous-tasse à ton frère. Pourquoi tu me donnes une tasse? Je veux un gobelet comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? Tu es notre seul fils. C'est toi qui dois avoir la tasse. Prends-la. On est bien reçus. Oh, il est clair. Tu as oublié de mettre le thé? On dirait de la bière. C'est vrai. Alors, bienvenue à la maison. Elle s'est mis le doigt dans le nez, puis dans la bouche, et après, elle l'a trempé dans le thé. C'est dégoûtant. Elle ne comprend rien à nos traditions.
J'étais au champ au moment de l'accident. C'est arrivé juste là. Il y avait un feu dans cette pièce. Sumchog dormait dans ce coin, là-bas. Elle était toute petite. Quand elle s'est réveillée, elle s'est approchée du feu à quatre pattes. Mais le sol n'était pas tout à fait plat. Elle est tombée comme ça, la tête dans le feu. Elle avait cette partie du crâne complètement brûlée. Votre mère était dehors, elle a entendu pleurer. Au début, la brûlure était toute petite. On a appliqué des herbes dessus, mais la plaie a commencé à s'étendre. On n'avait pas de médicaments pour la soigner. Et la plaie grandissait de plus en plus. On a enlevé la peau morte, mais ça s'est aggravé. Il fallait que je l'amène à Katmandou. Je suis donc parti avec vous deux sur mon dos. Je vous avais mis dans un grand panier en bois, toi au fond et elle par-dessus. Mais vous pleuriez parce que ça vous faisait mal. Je devais constamment poser le panier pour vous replacer. Je me souviens très bien de la ville. Un matin, très tôt, on a perdu Sumchog. On l'a cherché partout, mais impossible de la retrouver. Votre mère était dans tous ses états. Elle n'arrêtait pas de pleurer. On a fini par retrouver Sumchog devant l'orphelinat de Momilea. Un étranger lui avait enlevé sa tchouba, ses chaussures toutes usées et son pantalon déchiré pour lui donner de nouveaux habits. Elle était méconnaissable comme ça. Grande sœur! Emmène-la. Bonjour. 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 Je t'aide à poser ton panier. Notre sœur Yeonzom vient nous rendre visite. C'est la seule de la famille qui ne soit pas allée à l'orphelinat. C'était la plus robuste d'entre nous. Mes parents l'ont gardée auprès d'eux pour qu'elle aide ma mère au champ. Plus tard, ils l'ont mariée à un fermier du village voisin. Et depuis, ma mère n'a plus personne pour l'aider. Un, deux, trois. Elle a quel âge? 7 ans. Et elle? 3 ans. Qu'est-ce qu'il a sur le front? Il s'est fait mal? Hein? Non. C'est quoi alors? C'est quoi ce point noir? Un tilak. C'est pour que les enfants deviennent vertueux. Ta nièce aussi en avait un. On en met à tous les petits-enfants. Je suis tombée hier et je me suis fait mal à la main. J'arrive à peine à la bouger. Quand vous n'êtes pas là, je dois tout faire toute seule. Si je ne m'occupais pas des récoltes, on n'aurait rien à manger. Travailler la terre, c'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas allée à l'école, moi. Les autres enfants aident leurs parents. Si seulement je pouvais aller à Katmandou. Tu voudrais venir avec nous? Arrête, maman parle.
Si j'allais à Katmandou, votre père se retrouverait tout seul. Si tu te mariais, vous seriez trois ici. Tu es en train de me dire que si je me mariais, ça résoudrait tous les problèmes. C'est de plus en plus dur pour nous. Hier, une fille de l'âge de Dolma est passée. Elle regrette de ne pas avoir écouté son père avant sa mort. Quoi, Dolma devrait se marier ? Au moins, l'un de vous trois devrait se marier. Et tous les trois, ce serait encore mieux. Je n'y arrive plus toute seule. La parcelle à côté de la maison est à nous. Comme celle qui est à côté de l'armise, tu vois? Là où pousse l'orge. Celle-ci, celle-ci et celle-là sont aussi à nous. Ainsi que celle là-bas. Tu sais où on cultive les pommes de terre? Tu as vu notre récolte de pommes de terre? Elles viennent toutes de notre champ. Ils commencent là-bas, hein? Oui, on a tout le terrain jusqu'au ruisseau là-haut. Tout est à nous. J'ai hérité toutes ces terres de mon père. Et tôt ou tard, c'est toi qui en hériteras. Toi et aussi tes sœurs. On va tout vous léguer. C'est pour ça que tu dois savoir quelles terres sont à nous, pour pouvoir les réclamer à ma mort. Alors tu dois bien retenir leur emplacement. C'est très important. Je ne pourrai jamais vivre dans un endroit aussi reculé. C'est peut-être la terre de mes ancêtres, mais mes horizons se sont élargis maintenant. Comment faire comprendre ça à mes parents ? Tu n'as pas vécu ici. Alors, tu ne sais pas à quel point c'est dur. Mais tu ne sais pas non plus le bonheur qu'on en retire. C'est pour ça que je pense qu'il est très important que tu te maries ici. Et comme l'a dit ta mère, tu es notre seul fils. Tu es le plus important de nos enfants. Mais le problème, c'est que je n'ai pas grandi ici. Si j'avais grandi ici, j'aurais la même culture que vous. Mais aujourd'hui, on ne peut pas forcer mon cœur à être heureux ici. Sans ordinateur, sans livre, sans papier ni crayon, je suis comme mort ici. Tu crois vraiment que je pourrais vivre ici? Les gens nous disent, tous vos enfants sont en bonne santé, mais vous n'avez personne pour vous aider, personne pour vous nourrir. La vie est très difficile ici pour nous, et tu nous feras honte si tu ne nous écoutes pas. Certains disent que nos enfants ne reviennent pas parce qu'ils ont été pervertis par la culture occidentale. Il n'y a pas longtemps, ton oncle parlait de nos terres. La solution, ce serait que tu viennes vivre à Katmandou. Tu serais heureuse là-bas. Et ce serait mieux pour ta santé. C'est pour ça que je n'arrête pas de te dire de venir. Tu n'aurais plus de problème d'argent. Je prendrai tout en charge. On est très attachés à notre maison et à nos terres. Je les ai hérités de mon père, qui les avait lui-même hérités de son père, et ainsi de suite. Elles sont dans la famille depuis des générations.
Et ça ne vaut pas que pour notre maison. Le Hodolpo a une longue histoire. Et c'est important de faire perdurer les traditions de la région. Tu m'as fait honte devant mon beau-frère. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il était fier de moi. Mais tu refuses de l'accepter. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire « Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas bien, ça non plus. Tu me fais honte, etc. » Ton beau-frère, lui, n'a pas honte de moi. Alors pourquoi toi, tu as honte? Lui, il comprend que vous et moi, on vit dans deux mondes différents. Alors tout est de ma faute, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai donné naissance à 11 enfants. J'ai pas dit que c'était ta faute. Je ne te fais aucun reproche. Je veux juste que tu comprennes mon point de vue. Pourquoi tu ne me demandes jamais si je vais bien, ou si j'ai besoin d'aide, ou si quelqu'un me prépare à manger ou m'aide au champ? J'ai beaucoup de problèmes et j'ai toujours besoin d'aide. Mais tu ne t'en soucies pas. C'est bien pour ça que je te dis de venir à Katmandou. Tu aurais tes enfants auprès de toi. Comment veux-tu qu'on t'aide si tu restes ici? Non, mais tu t'entends? Hein? Dis-moi. Ok, j'arrête de parler. Calme-toi. Je ne dirai plus rien. Calme-toi. De toute façon, on tourne en rond. Ton père et moi, on a respecté la volonté de nos parents et on s'est mariés. On a obéi à nos parents. J'ai dit que je vous aiderais, ça vous suffit pas ? Je me sens pris au piège. J'ai besoin d'air. Pour échapper aux tensions de la maison, je vais rendre visite à Yeonzeom. J'espère qu'elle me comprendra et qu'elle pourra m'aider à trouver une solution. Sumchog m'accompagne. Il a de grands yeux. Comment tu vas? Ça va. Tu as meilleure mine qu'il y a 2 ans. Tu as les joues moins creusées. On va bien. J'ai eu 5 enfants, mais 2 sont morts. Tu en veux d'autres? J'en veux 20. Quoi? Elle a eu 5 enfants. Mais 2 sont morts. Je lui ai demandé si elle en voulait d'autres et elle m'a dit « J'en veux 20 ». Elle plaisante. Ne fais pas trop d'enfants. Ça va t'user la santé. Si tu avais 20 enfants aujourd'hui, tu ressemblerais à une femme de 40 ans. On a besoin d'enfants pour nous aider. Sinon, la vie est trop dure. Embaucher quelqu'un, ça coûte dans les 350 roupies.
Tu as très jolis yeux. Regarde-toi. Alors, tes yeux sont bien, tes cheveux aussi. Je mets mes boucles d'oreilles. Oui, mets-les. Super. Super. Alors tu vas regarder par là. Voilà. Comme ça. Regarde dans cette direction. Mets tes jambes par là. Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Mets tes jambes par là-bas. Voilà, comme ça. Et ta main ici. Parfait. Regarde par là. Mon beau-frère arrive avec ses yaks. Il était en Chine, à 2 semaines de marche d'ici. L'été, les cols de montagne sont ouverts. Alors la plupart des hommes de la région partent plusieurs mois pour acheter des réserves pour l'hiver. Où sont les cadeaux? Dis! Dis-moi, tu crois vraiment que si je revenais ici et que je me mariais, je serais heureux? Réponds-moi franchement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Tu pourrais faire comme d'autres dans notre famille, comme la Branque, par exemple. Sa femme reste au village et lui, il va où il veut. Fais comme lui. C'est justement ce que je ne veux pas faire. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas épouser une femme que je ne connais pas. J'ai entendu dire qu'on t'avait trouvé une fille du coin. Toi, tu es au courant de ça, mais pas moi? Vous n'arrêtez pas de chercher des filles pour moi. Il paraît qu'elle est instruite. C'est pas la question, il faut s'aimer pour se marier. Tu as une fiancée à l'étranger? Non, mais j'ai des amis. Si tu n'as personne, tu pourrais au moins réfléchir à ce que nos parents veulent pour toi. Ça ne te coûte rien. Pense-y. Je pourrais payer une bonne école à ta fille. Et en échange, tu t'occuperais des terres de nos parents. Je ne te dis pas de travailler au champ. Juste de veiller à ce que tout se passe bien. Et moi, je ferai en sorte que tes filles reçoivent une bonne éducation. Je leur paierai une bonne école. J'ai beaucoup de travail ici. Je dois tout faire toute seule. En plus de m'occuper de mes enfants. Vivre dans le Dolpo, ce n'est pas de tout repos. Mes beaux-parents ne me laissent pas aider nos parents. Dans 2 ou 3 ans, il faudra que Tsering et Dolma reviennent et qu'elles apprennent notre mode de vie. Dis-leur qu'il faut qu'elles reviennent. Elles sont assez robustes pour vivre ici. C'est horrible de dire ça. Pourquoi?
Regarde tout ce que tu as dû endurer. Quand je te vois, tu es toujours en train de travailler. À la ville, on travaille dur aussi, mais on a des moments de détente. On a du temps pour soi, pour faire les choses qu'on aime. Il y a un temps pour tout. Regarde tes mains. Regarde ton visage. Tu n'as que 26 ans, mais on dirait que tu en as 40. Si j'ai envoyé nos sœurs à l'école, c'est pour qu'elles n'aient pas la même vie que toi. Avec Soom Chog, nous retournons chez nos parents. Notre séjour à Karang touche à sa fin. C'est une vache ou une génisse ? Une vache. Dolma et Tsering ne m'aident pas beaucoup. Elles étaient travailleuses avant. Si elles sont paresseuses, elles ne seront pas heureuses. Toutes les filles du village travaillent dur. Hé, petit! Emmène cette vache un peu plus loin. Et fais avancer l'autre. Amène-la moi. Ne la laisse pas revenir ici. Ne reste pas derrière elle. Ton père m'a soigné au fer rouge. C'est vrai? Hier, je ne pouvais pas bouger la main, mais aujourd'hui, ça va mieux. Où est Dolma? Là-bas. On va faire du thé? Tsering, demain, tu aideras maman, d'accord? Ton oncle et ta tante sont venus pour discuter. On veut que tu prennes conscience de ton rôle dans la famille. Il faut que tu comprennes que je suis très seule ici et que j'ai énormément de travail. C'est pour ça que je n'arrête pas de te dire de venir à la ville. Tu es peut-être très instruit, mais tu ne t'occupes pas de nous. Tu te rends compte qu'on pourrait mourir demain? Et ça, ce serait ta faute. Il faut que tu parles à notre fils, toi aussi. Je ne dois pas être la seule à le faire. S'il refuse de nous écouter, il faudra que Dolma revienne au village. Qu'est-ce que c'est? Ne mets pas de produits bizarres dans tes cheveux.
Tu en as encore, là. Il faut prendre soin de tes cheveux. Est-ce que ton séjour ici t'a plu? Tu aimes notre village? Oui, je l'aime bien. Quand tu auras fini le collège, est-ce que tu penseras à nous? Tu sais, il faut que tu travailles dur à l'école. Ce sera payant. Ça te permettra de réussir ta vie. Mais on espère aussi que tu penseras à nous. C'est normal, non? Maman, si tu veux que je reste ici, demande-le-moi. Que je te le demande? Oui. Quand tu as dit que tu nous aimais et que tu voulais t'occuper de nous, ça m'a fait très plaisir. Allô? Allô, maman? C'est Sung Chog. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Je suis contente de t'entendre. Ça va? Bien, je suis à Karang, là. D'accord. Tout va bien, sauf que j'ai un furoncle. Enfin, il est presque parti maintenant. Vérifie que tu n'as pas de température. Je n'en ai pas, et je... Pardon? Je n'en ai pas. Il faut te soigner, Sung Chog. Oui, oui. Mets ta crème antibiotique. Oui, je l'ai toujours sur moi. Il ne suffit pas de l'avoir sur toi. Mais j'en mets, c'est pas vrai. Écoute, Sung Chog, si tu penses que ça ne sert à rien... J'ai pas dit ça. Bon. Et comment vont Pema et les enfants? Tout le monde va bien? Oui. Les enfants vont bien. Et Pema? Pema et Dolma aussi. Tant mieux. C'est bien que Pema soit venue ici. Il peut mettre les choses au clair. Oui, c'est sûr. Yeonseom et ses enfants sont venus nous dire au revoir. Nous partons tôt demain matin. Fais le boire. Tiens, donne-leur, toi. Je ferai développer les photos à Katmandou, d'accord? Prends soin de toi, maman. Je sais que ça a été très dur pour toi et que tu as énormément de travail. Je ferai tout ce que je peux pour te rendre la vie plus facile. Et tu sais que parfois, mes mots dépassent ma pensée quand je me mets en colère. Allez, ne te fais pas trop de soucis. Ne pleure pas, s'il te plaît. Si tu pleures, on ne fera pas un bon voyage. Je veux en donner un à maman. On dit au revoir comme ça en Europe. Et dans le Dolpo, comme ça. Allez, prends soin de toi, maman. Allez. Et ne t'en fais pas. J'essaierai de trouver quelqu'un pour s'occuper de la maison. Conduis le cheval un peu plus haut. Je prends mon sac. Non,
Notre père nous accompagne jusqu'à la piste de décollage, à 10 jours de marche de Karang. Après, on ne se verra plus pendant très longtemps. Il y a quelques jours, pendant qu'elle te coiffait, maman t'a parlé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que quand j'aurai fini le collège, il faudrait que je revienne au village et que je pourrais sans doute y être institutrice. À vrai dire, elle m'a posé tellement de questions que j'en ai oublié la moitié. Est-ce qu'elle t'a parlé de mariage ? Est-ce qu'elle t'a dit que tu devais te marier ? Elle a dit que je devrais me marier au village. Moi, je pense que tu es trop jeune pour te marier. Tu es trop petite pour ce genre de responsabilité. Pour l'instant, tu dois te concentrer sur tes études et ne pas penser à ces histoires de mariage. Ce que je te conseille, avant de prendre toute décision qui t'implique, ou qui implique quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est d'écouter ton cœur. Il faut suivre son cœur. C'est la meilleure façon de prendre une décision. Écoute toujours ton cœur quand tu prends une décision. Bye bye.
Aujourd'hui, j'ai décidé d'être maître de mon destin. Je vais retourner aux Pays-Bas et m'y installer, peut-être de façon définitive. Je sais que Dolma songe à retourner au village, car comme moi, elle culpabilise. Mais j'attends toujours un miracle.